Guillaume Toucoulet, 37 ans, numéro 1 mondial en para-archer, reçoit les encouragements de la ville d'Anglette avant les JO paralympiques de Tokyo. Cet athlète perd l'usage du bras gauche après un accident de moto. Ancien rameur, il se lance dans le tir à l'arc et remporte en 2 ans seulement les plus grands championnats. Très vite, j'ai découvert en fait toute la beauté de ce sport. C'est un sport où il faut avoir une préparation mentale irréprochable. C'est beaucoup de précision, de régularité, de concentration. Et c'est des facultés que j'aime bien bosser, travailler. Licencié aux archers de la Humad à Biarritz et au club handisport d'Anglette, ce sportif de haut niveau s'entraîne tous les jours. Du physique, bien sûr, mais surtout du mental. À quelques jours du départ pour le Japon, voilà comment il va se préparer. Je vais profiter de ma famille, profiter de mes amis, voilà, pour que dans la tête tout soit nickel. Mon petit garçon aussi, passer du temps avec mon petit garçon. Donc rien de plus, vivre normalement, simplement continuer à régler un petit peu mon arc et puis ça va se faire gentiment. C'est avec cet arc qu'il va participer à ses premiers Jeux face à 31 autres nations. Favori, Guillaume Toucoulet vise l'or.